ça ressemblerait à quelque chose de théâtral et de théâtralisé. Donc, ceux qui réellement partageaient ma douleur ont été là sans moi pour assister ma famille. Alors, monsieur le président du COGEP, ces temps-ci, vous avez traversé des moments difficiles, décès sur décès. Mon équipe et moi, nous vous présentons nos condoléances les plus attristées, mais nous voudrions vous demander comment vous avez géré et comment vous continuez de gérer tous ces cas difficiles, des parents très proches, même père, même mère, même père, même mère, en si peu de temps. Comment vous avez vécu ça? Je suis un être humain et je ne vous cacherai pas que j'ai été secoué des pères de mes frères. C'est eux qui m'ont élevé, hein. C'est eux qui m'ont enseigné la vie. Parce que je n'ai pas connu ma mère, donc j'ai pratiquement grandi dans leurs mains. Et 10 ans après, je ne les ai pas vus pendant 10 ans. Et au moment où une lueur d'espoir était en train de poindre à l'horizon, et puis ils disparaissent comme ça en moins de 4 mois, de 3 mois, je dis. Qu'est-ce qui a dû se passer? Je ne sais pas. Une épidémie? Non. Le virus? Il y a des questions qu'on ne se pose pas, sinon on risque de se donner des maux de tête. Vous voyez? Et donc, ce que vous ne pouvez pas changer, vous l'acceptez, vous y adaptez. Le fait est que mes frères et sœurs sont décédés. C'est un fait. Et donc, tout cela, je l'accepte. Et voilà, j'ai des douleurs que je dois vivre. Et puis, la douleur, elle est interne chez nous. Oui. Voilà, elle est interne chez nous. Il y a un homme politique ivoirien qui dit que les grandes douleurs sont muettes. Oui, les grandes douleurs sont internes. J'allais dire comme ça, et puis un leader c'est comme un poulet, voilà, les plumes cachent sa sueur, et donc comme un poisson aussi dans l'eau, tout à fait. Et moi la frontière entre mes douleurs personnelles et puis la douleur que vit mon pays, j'ai établi cette frontière, et ce que je vis de manière personnelle et familiale ne m'empêche pas de faire face à mon devoir. C'est pourquoi je suis là ce matin. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans cette mauvaise passe. Et puis, je leur dis encore que la meilleure manière d'honorer la mémoire de mes frères et de mes sœurs, c'est de continuer. Parce que mes frères étaient des... Ils croyaient en moi. Ils croyaient beaucoup en moi. Moi, mes grands frères m'appellent pas Charles. Ils m'appellent chef. Mes grands frères m'appellent chef. Ils croyaient en moi. Et donc, ils sont partis. Et voilà, j'ai fait mon deuil comme je peux. Alors, on va légèrement insister là-dessus. Vous étiez à Paris pour l'inhumation de votre sœur. Mm-hmm. C'est vous qui avez souhaité qu'elle soit inhumée à Paris, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller en Côte d'Ivoire. Quand on sait que dans votre tradition, il est difficile que, en de telles circonstances, le corps soit inhumé en dehors des caveaux familiaux. Non, ma sœur Nathalie, père son âme, était mariée. D'accord. Et dans ma culture, dès l'instant où votre sœur est mariée, le lieu où elle doit être inhumée, au cas où elle décède, ne dépend pas de nous, mais de son époux et de la famille de son époux. La décision de son époux a été que son épouse soit inhumée à Paris. Nous sommes alignés sur cette décision. Et moi, j'ai sollicité les autorités françaises pour qu'elles puissent me permettre d'aller enterrer. Comment ça s'est passé? Comment vous avez procédé? J'ai écrit donc aux autorités françaises à travers le greffe de la Cour pénale internationale. Et puis, elles m'ont répondu, en tout cas favorablement. Elles ont dit que je pouvais aller participer à l'inhumation de ma sœur. Voilà, Avec quel document administratif vous êtes parti, puisque vous n'avez plus de passeport? Ils m'ont établi donc un laissez-passer. D'accord. Pour me permettre de partir. Et ils ont dit que je pouvais partir sans garde-corps, sans qui que ce soit. Puis d'autant plus que j'étais libre. Et puis voilà, je suis parti. Mais on a eu l'impression que vous êtes allé sur la pointe des pieds. Non. Sans fanfare, pour ne pas que vous soyez submergé. Oui, pour que vous le savez monde que... s'agglutine. Ouais. Et pourtant, c'est un moment important. Pour que ce monde-là vienne vous témoigner leur compassion dans cette épreuve difficile. Et vous êtes parti quasiment sur la pointe des pieds, vous êtes retourné sur la pointe des pieds. Non, mais j'ai une famille à Paris. J'ai ma grande sœur, j'ai mes oncles, j'ai ma grande famille des Kwagorobré,
mais des Guibérois qui est à Paris, et ceux qui étaient mes proches ou mes amis, qui voulaient partager ma douleur et accompagner, ont été mis dans la confidence. Et accompagner ma famille dans cette douleur-là, n'avaient pas besoin que je sois là pour venir témoigner. Donc leur compassion à mon soeur, ça ressemblerait à quelque chose de théâtral et de théâtralisé. Donc ceux qui réellement partageaient ma douleur ont été là sans moi pour assister ma famille. Et quand je suis arrivé, j'avais la liste. Ceux-là, je les ai appelés pour dire que j'étais là. Ceux qui avaient besoin que je sois présent pour venir faire du théâtre, je ne les ai pas appelés et je l'assume sur ce plateau. Donc j'étais allé aux funérailles de ma sœur. Je suis ivoirien, je suis africain. Le seul événement où il n'y a pas d'invitation, c'est les funérailles. Je ne suis pas parti à un anniversaire parce qu'il y a des gens qui ont appelé pour dire oui, Charles est venu. Il y en a même qui vous portent des griefs. Oui, parce il ne m'a que pas appelé pour que moi aussi. On n'invite pas quelqu'un aux funérailles. Ou même ces gens, parce qu'ils ont duré en France, ils ont oublié leur culture. On n'invite pas quelqu'un aux funérailles. Ce n'était pas un anniversaire, ce n'était pas un mariage. C'était funérailles. C'est quand je n'étais pas là qu'il fallait démontrer à ma famille que oui, Charles n'est pas là, mais nous sommes là avec vous. Il n'y a pas un sentiment de regret à leur égard? Non, leur présenter... je suis en colère même. Je suis en colère. Je suis en colère. C'est quand je ne suis pas là que vous devez venir démontrer à ma famille qu'effectivement vous êtes mes amis, que vous êtes avec moi. Je voudrais ici remercier tous mes amis, tous les collaborateurs aussi, qui se sont mobilisés massivement autour de ma famille dans ces moments de douleur. Ceux qui attendent des invitations, je prends acte. Ils vont attendre longtemps. Ça ne regarde qu'eux, mais bon, je trouve que c'est méchant de leur part. De vouloir faire croire que je suis allé à Paris et que je ne les ai pas invités, comme si j'étais allé à un dîner gala. J'ai demandé à aller à Paris pour enterrer ma soeur. On me l'a accordé. Je suis resté strictement dans ce cadre. Le temps de la politique viendra. Le jour où j'irai faire la politique, je vais écrire aux autorités françaises pour leur dire, je vais aller dire merci aux Ivoiriens qui m'ont soutenu. En ce moment-là, on fera la politique.